Alléluia, gloire à Jésus. Bonsoir, frères et sœurs, où que vous soyez. Je vous salue dans le plus glorieux, le plus précieux nom, le nom qui est admirable, le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, Jésus-Christ de Nazareth. Soyez, frères et sœurs, les bienvenus ce soir dans ce temps d'enseignement. Pour moi, ce soir, c'est encore une grâce de Dieu. Un privilège de la part de Dieu de m'accorder cette grâce de me tenir devant vous pour porter sa parole. Alors ce soir, que le Seigneur de grâce, oui, nous comble de sa grâce, de sa miséricorde, de sa bonté, de son amour ce soir. Alors je vous salue et je nous invite maintenant à commencer à partager ce temps d'enseignement. Est-ce que tu peux partager? Est-ce que tu peux prendre le temps de partager en même temps que tu disposes ton cœur pour recevoir la parole de Dieu. Et je t'invite aussi ce soir à rester concentré, à rester focalisé et à garder les yeux fixés sur Jésus. Parce qu'il est le consommateur et le rémunérateur de notre foi qui nous est commune. Alors que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien ce soir et que le Seigneur nous fasse du bien ce soir. Donc je rends grâce à Dieu, je rends grâce au Seigneur Jésus-Christ, je rends grâce au Saint-Esprit pour sa présence et je rends grâce à Dieu pour mon père spirituel, l'apôtre Pierre-Yves Chobo, sans qui je ne serais pas là avec vous ce soir. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ta présence. Merci pour ton Esprit Saint. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour le nom de Jésus. Merci parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit de Dieu. Merci parce que tout n'est que grâce et ta grâce est suffisante pour nous. Seigneur, ce soir, je dis, je proclame et je confesse que ta grâce ce soir est suffisante pour moi. Je m'appuie sur ta grâce, je me base sur ta grâce et ce soir, Seigneur, je me laisse entre les mains du Saint-Esprit de Dieu. Je m'abandonne entre tes mains, Saint-Esprit de Dieu, afin que tu me conduises et que tu parles à nos cœurs ce soir, au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore bienvenue à vous, vous qui venez d'être connectés. Soyez les bienvenus. Vous êtes au bon endroit, au bon moment. Et ce soir, le Seigneur, il est présent parmi nous. Il est dit que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est présent parmi eux. Même si on n'est pas physiquement ensemble, mais le corps de Christ, c'est un corps qui est spirituel. Tu es d'abord un esprit, tu habites un corps et tu possèdes une âme. Donc là où tu es, là où je suis, nous sommes, si nous sommes tournés vers Jésus et que nous avons un seul but, Jésus, nous avons un seul Seigneur, Jésus, alors ce soir, nous sommes réellement en commun accord. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors ce soir, frères et sœurs, j'ai à cœur de partager quelque chose qui est en même temps une prière. En même temps, une exhortation, en même temps, un enseignement. Donc, le partage de ce soir est tiré du livre d'Ésaïe, chapitre 26, et le verset 12. Ésaïe, chapitre 26, le verset 12 qui dit ceci. Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Donc le thème de ce message, c'est Seigneur, accomplis pour nous tout ce que nous faisons. Seigneur, accomplis pour nous tout ce que nous faisons. Ou bien Éternel, comme tu veux, accomplis pour nous tout ce que nous faisons. Ou bien Jésus-Christ, accomplis pour nous tout ce que nous faisons. Nous pouvons dire aussi, Saint-Esprit, accomplis pour nous tout ce que nous faisons. Alléluia.
Frères et sœurs, nous vivons dans un temps qui est de plus en plus difficile et compliqué. Et le temps que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas facile de vivre sa vie chrétienne pleinement, de vivre sa foi pleinement. Les statistiques disent que dans le monde, il y a environ 2 milliards, 4 millions de croyants sur une population de 7,5 milliards d'habitants dans ce monde, sur la Terre. Et parmi ces 2 millions, ces 2,4 milliards, il y a environ 660 millions d'évangéliques. Et ils disent aussi que d'ici 2050, que les chrétiens et les musulmans seront en égalité. On voit que l'islam avance. Et si l'Église ne se positionne pas maintenant, les choses vont être compliquées. Et la question qui s'est posée, c'est sur les 660 millions d'évangéliques, ou bien sur les 2,4 milliards de croyants ou bien de chrétiens dans le monde, combien sont réellement disciples de Jésus? Combien marchent réellement avec le Seigneur Jésus? Combien de nous cherchent réellement à accomplir le plan de Dieu pour notre vie sur cette terre? Combien de nous cherchons le Seigneur, cherchons Dieu réellement de tout notre cœur, de toute notre âme? Il n'y a qu'à regarder autour de nous, même en nous-mêmes, ne pas voir les autres, mais nous-mêmes déjà, moi-même, est-ce que je marche en conformité avec la parole de Dieu? Est-ce que je cherche Dieu? Aujourd'hui, quand on voit les églises, on peut voir une église où il y a du monde. Mais parmi ce grand monde, combien sont réellement disciples de Jésus? De la même manière que quand Jésus était sur la terre, qu'il faisait son ministère, il allait de lieu en lieu, la foule le suivait. Et parmi cette foule qui le suivait, combien étaient réellement disciples de Jésus? Et quand Jésus a fini sa mission terrestre et qu'il est parti dans la chambre haute, il se trouvait environ 120 personnes sur la foule qui le suivait. Ce n'est pas, frères et sœurs, que on n'a pas la volonté de faire le bien. Nous avons tous la volonté de faire le bien. Si tu es croyant, tu es enfant de Dieu, tu es chrétien, tu as en toi la volonté de faire le bien. Mais qu'est-ce qui se passe qu'aujourd'hui, les hommes de Dieu ont du mal avec le peuple de Dieu? Les hommes de Dieu souffrent. Ils prêchent le message, ils prêchent la parole. Mais en même temps, le résultat atteste que la parole qui est semée, la parole qui est enseignée, la parole qui est envoyée, ne porte pas vraiment de fruits dans la vie des croyants. Il y en a qui ont la volonté de faire le bien, il y en a qui ont ce désir, il y en a qui le veulent réellement, qui aiment réellement le Seigneur, mais ils se trouvent en eux-mêmes un combat, une bataille. Il y en a qui, dans certains domaines, avancent, mais d'autres non. Parce que d'autres se retrouvent avec des combats, des batailles, des luttes et des liens qui n'arrivent pas à s'en débarrasser. Alléluia. Il est pour nous le temps maintenant de nous asseoir et de réfléchir sur notre vie chrétienne, parce qu'il n'est pas suffisant simplement de venir à l'église dimanche, de rentrer à la maison et de vivre sa vie comme si rien n'était. Nous écoutons la parole, nous recevons l'enseignement,
Mais qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce que nous sommes vrais avec Dieu? Est-ce que nous cherchons réellement Dieu? Est-ce que nous laissons Dieu faire son œuvre en nous? Ou est-ce que nous sommes une barrière à la main de Dieu pour son œuvre en nous? Alléluia. Et pour avancer, nous allons lire maintenant Jérémie chapitre 13. Jérémie chapitre 13 et le verset 23. Mbro sakambas kibrondo sakamahoro shakabrandas piko broto. Rimbrandas piko brondo sakashabrando los prata. Seigneur, je prie maintenant, mon Dieu, mon roi, Seigneur, bénis ta parole. Que ton onction, Seigneur, soit manifeste. Que ta grâce soit manifeste. Que le Saint-Esprit de Dieu, ce soir, mon Dieu, mon roi, Seigneur, les saisisse, mon Dieu, mon roi, comme un instrument de ta main, Père de la Seigneur, pour imprimer ta parole dans nos cœurs. Et que ta parole, Seigneur, porte du fruit dans nos cœurs, afin que nous puissions réellement, ô Père de la Seigneur, être des sujets de gloire, Seigneur, pour toi, au nom de Jésus. Amen. Donc, Jérémie, chapitre 13, verset 23, c'est Dieu qui pose la question, c'est une question qui est posée à toi et à moi. Il dit, un Éthiopien peut-il changer sa peau? Et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Je le relis. Un Éthiopien, quand on parle d'un Éthiopien, c'est un noir comme moi, un noir, un black. Donc, je pose la question, il dit, est-ce qu'un noir peut changer sa peau? Bon, aujourd'hui, il y a des gens qui dépigmentent leur peau. Ils font la dépigmentation de leur peau. Mais ne changent pas leur peau. En fait, Dieu dit, si tu as la peau noire, est-ce que tu peux, est-ce que tu as le pouvoir, tu as la capacité de changer ça? On a vu Michael Jackson qui a changé. Mais pour Dieu, ce n'est pas changer. Là, elle a dépigmenté sa peau. Et il pose encore la question, est-ce qu'un léopard peut changer ses taches? Donc en même temps, ce verset parle aussi à ceux qui font des produits pour changer leur peau. Dieu t'a créé noir, mon frère, ma soeur, reste tel que tu es. Dieu sait pourquoi il t'a créé comme ça. Et dit, un léopard, ses taches. De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? C'est une question qui nous est posée à toi et à moi. Et je connais un homme, David, qui dit, ma mère m'a conçu dans le péché. Et nous sommes nés en Adam dans le péché. Et nous avons grandi dans des péchés. Dans certaines habitudes, coutumes, cultures, mentalité, système de pensée, nous avons grandi. Pour certains, c'est l'idolâtrie, pour certains, c'est la fornication, la débauche, la masturbation, le mensonge, la peur, la timidité. Et nous avons grandi ainsi. C'était une habitude. Nous sommes habitués à ça. Nous sommes accoutumés à ça. Et Dieu dit, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Le péché qui nous gangrène, le péché qui résiste, le péché qui est là, qui te tire vers le bas. Comment faire? Et Dieu pose la question. Comment faire? Comment faire pour vivre avec Dieu? Comment faire pour laisser Dieu accomplir son œuvre en nous sans son aide, sans sa grâce? Est-ce que c'est possible? Quand mon grand frère, le pasteur Eric, avait prêché un dimanche sur la grâce de Dieu, comme la grâce de Dieu, elle est primordiale, la grâce de Dieu, elle est capitale, la grâce de Dieu, elle est importante, la grâce de Dieu est efficace sans elle.
mon frère, ma soeur, on ne peut rien faire. De la même manière qu'un léopard n'a pas le pouvoir de changer ses taches. Un lion n'a pas le pouvoir de changer sa peau. Non. De la même manière, Dieu dit, nous sommes habitués à faire le mal. Combien aujourd'hui le mal atteint un niveau. Le mal dans le monde, le mal dans l'église, le mal dans nos maisons, dans nos familles, dans les écoles, dans les universités. Le mal a réussi à pénétrer partout. Et le mal fait le mal parmi nous, encore aujourd'hui. Alléluia. Donc ces hommes, ces personnes à qui Dieu pose la question, avaient la volonté, ils voulaient faire le bien, ils voulaient obéir à Dieu, ils voulaient plaire à Dieu, mais ils avaient la volonté, mais ils n'ont pas le pouvoir, ils n'ont pas la capacité. Alléluia. Et l'autre verset qu'on va lire, c'est dans Romains 7, verset 19 jusqu'au verset 23. Romains 7, verset 19 à 23. Si on peut remonter au verset 18. Voilà. Romains 7, 18 à 23. Donc ici, Dieu pose la question en disant, un éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Dieu veut que nous fassions le bien. Ici, il dit, l'apôtre Paul dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Alors si ce qui est bon n'habite pas en toi, comment pourras-tu faire ce qui est bon? C'est-à-dire dans ma chair, dans ce corps-là, dans ce corps, dans cette chair. Et dit, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. De la même manière que ce peuple avait la volonté, mais ils n'ont pas le pouvoir de le faire, de faire le bien. Ils n'ont pas la capacité. Ils n'ont pas cette grâce, cette puissance, cette force. Parce que le péché exerce une force qui t'attire et qui te tient en captivité. Et Paul dit, j'ai la volonté, je veux faire le bien. Mon frère, tu veux faire le bien. Tu veux marcher avec Dieu. Tu veux plaire à Dieu. Tu veux prier. Tu veux évangéliser. Tu veux, oui, aimer. Tu veux pardonner. Tu veux faire le bien. Et l'apôtre Paul dit, j'ai la volonté, maintenant le pouvoir de faire le bien. Et la suite. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi, dans ta chair. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Le mal est attaché à moi. Quand je veux prier, je veux faire le jeûne, je veux passer des nuits en prière, je veux me tenir devant le trône de Dieu, j'ai la volonté de prier, de me lever à 5 heures, à 4 heures, j'ai la volonté. Mais quand je veux me lever, Seigneur, je n'y arrive pas. Accorde-moi la grâce, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Verset 23. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Alléluia. Voici un homme qu'on appelle l'apôtre Paul et que Dieu va toucher. C'est un homme qui était versé dans le judaïsme. Un homme qui était enseigné par Gamaliel, un des docteurs les plus réputés de son temps.
C'est un homme qui était zélé dans la loi juive. C'est un homme qui était zélé dans la culture de ses parents, de ses pères. C'est un homme qui pensait servir Dieu. C'est un homme déterminé, un homme intelligent. C'est un homme qui était rempli d'une passion pour Dieu selon lui. Et quand Dieu va les toucher, quand Dieu va les rencontrer sur la route de Damas, il va commencer à marcher avec le Seigneur. Et il pensait qu'il pouvait marcher avec le Seigneur de la même manière qu'il marchait sans le Seigneur. Il pensait que par son pouvoir, il pouvait faire le bien. Il pensait que par lui-même, il pouvait agir. Il pensait que par lui-même, il pouvait faire. Il pensait que par lui-même, il pouvait. Donc, il avait la volonté, il voulait. Mais sa volonté, c'était sa volonté qu'il voulait manifester. Et quand il se retrouve maintenant devant le bien, qu'il veut faire le bien, il n'arrive pas à faire le bien. Mais le mal qu'il ne veut pas, c'est ça qu'il le fait. Tu n'as pas envie de mentir. Tu ne veux pas mentir, tu veux dire la vérité. Mais des fois, tu es contraint à mentir. Alléluia. Donc, il y avait une lutte à l'intérieur de lui. Il y avait un combat. Il y avait une bataille dans ses pensées, dans son homme, dans son intérieur. Et il s'est posé lui aussi la question. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment sortir de là? Alléluia. Gloire à Dieu. Heureusement pour l'apôtre Paul avait le bon miroir. La question du soir, as-tu réellement le bon miroir? Est-ce que tu reconnais ton état? Es-tu conscient de ton état? Mais l'apôtre Paul était conscient de son état. Il est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de nous sommes hypocrites. Beaucoup, on a des combats et des batailles, mais on les cache. Parce qu'aujourd'hui, si tu viens dire à un frère que mon frère, j'ai telle bataille, j'ai tel combat, aide-moi, alors ce que tu vas dire va sortir sur Facebook. Tu seras pointé de doigt. Aujourd'hui, on va te juger selon ton passé. Aujourd'hui, il n'y a plus ces hommes, ces femmes qui vont te prendre par la main pour dire, viens. Je ne suis pas là pour te juger ni te condamner, mais pour t'aider. Comme mon père spirituel, l'apôtre Pierre Chobot, c'est un homme qui a un cœur de Dieu et qui ne voit pas tes défauts, qui ne voit pas tes failles, tes faiblesses, non. Il te tend la main et il est avec toi et il t'aide à avancer. Alléluia. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose à faire, c'est quoi? C'est déjà, si nous ne sommes pas conscients de notre état, Dieu ne pourra rien faire. En fait, si tu es aveugle et que toi, tu ne dis pas que tu es aveugle, tu ne reconnais pas ta cécité, ton aveuglement, alors tu ne pourras pas chercher la solution. Si aujourd'hui, tu as une maladie grave dans ton corps et que tu ne sais pas, tu es ignorant, tu ressens des douleurs, mais tu ne sais pas que c'est une maladie grave et tu ne te lèves pas pour aller à l'hôpital pour chercher la solution, alors tu vas demeurer dans la maladie va s'empirer. Donc ce soir, Dieu veut nous emmener à être conscient de notre état actuel, ton état actuel. Ce n'est pas suffisant de venir à l'église et de rentrer à la maison. C'est vrai que tu donnes ta dîme, tes offrandes, tu chantes, tu pries, c'est vrai. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions pratiquer ses commandements.
c'est que nous puissions obéir à sa parole, à ses lois. Et pour cela, on va lire Apocalypse chapitre 3, verset 17. Prendre sa prata. Apocalypse 3, 17. Cambras proche, gibrandros prata, sabrasa. Seigneur, ouvre nos yeux, Seigneur droit. Fais tomber les écailles de nos yeux. Fais-nous voir notre vrai état. Accorde-nous la grâce de revenir à toi, de reconnaître ce que nous sommes, Père, et de trouver en toi la solution, Seigneur Jésus. Il a dit ceci parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, je n'ai besoin de rien, je n'ai pas besoin de pasteur, je n'ai pas besoin d'église, je n'ai pas besoin de frères et de sœurs, je n'ai pas besoin de quelqu'un, non, je n'ai pas besoin de la communion fraternelle, je suis suffisant moi-même, je préfère rester chez moi et prier. Je préfère rester chez moi et lire ma Bible. Je préfère rester chez moi et méditer. Je suis riche. Je me suis enrichi. Et je n'ai besoin de rien. Je n'ai besoin de rien. Je n'ai pas besoin de grâce. Je n'ai pas besoin de faveur de Dieu. Je n'ai pas besoin que Dieu m'aide. Je n'ai pas besoin qu'un pasteur m'aide. Je n'ai pas besoin qu'un frère m'aide. Non. Écoutez la suite. Et parce que tu ne sais pas, c'est le plus grand danger, c'est l'ignorance. Le plus grand danger, c'est l'ignorance. Ce qui détruit, c'est l'ignorance. Dieu dit que ce peuple, mon peuple périt faute de connaissance parce qu'il a rejeté la connaissance. Il a refusé la connaissance. Il a refusé de chercher la connaissance. Il n'y a pas pire chose que de vivre une situation et ne pas être conscient ou consciente que là où nous sommes, ça sent mauvais. Là où nous sommes, on n'est pas bien. Là où nous sommes en danger. Et je dis parce que tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu ne sais pas que tu es malheureux. Tu es malheureux et tu ne le sais pas. Tu es misérable et tu ne le sais pas. Tu es pauvre et tu ne le sais pas. Tu es aveugle et tu ne le sais pas. Tu es nu. Et tu ne le sais pas, raison pour laquelle aujourd'hui dans nos églises, les gens viennent, tout le monde est élégant, tout le monde est bien habillé, voilà, on vient à l'église, on chante, quand on dit acclamer le Seigneur, ben on te force à peine pour acclamer le Seigneur, quand on dit crier, dites amen, on te force à dire amen, parce qu'en fait, tu ne sais pas mon frère. Tu ne sais pas que tu es malheureux. Tu ne sais pas que tu es misérable. Tu ne sais pas que tu es pauvre. Tu ne sais pas que tu es aveugle et nu. Tu ne sais pas. Sinon, tu allais crier à Dieu comme Bartimée. Sinon, tu allais crier à Dieu comme Bartimée. Tu allais crier à l'église comme Bartimée. Tu allais crier à Dieu comme Bartimée. Et parce que tu ne sais pas, quand on convoque une réunion de prière, quand on dit c'est temps de prière, tu ne viens pas. Parce que pour toi, tu n'as pas besoin de prière. Tu n'as pas besoin de prière ensemble avec les frères et sœurs. Tu n'as pas besoin de communion fraternelle. Tu es suffisant à toi-même. Tu es El Shaddai. Mais nous, mon frère et ma sœur, nous avons besoin de Jésus. Donc, l'ignorance est un voile qui t'aveugle. C'est un ennemi puissant. C'est une arme puissante que l'ennemi utilise contre les enfants de Dieu. Il te place dans la misère, dans le malheur, la pauvreté, l'aveuglement, la nudité. En même temps, il te montre que tu es bien, que tu es un bon gars, que tu es une bonne femme, tu as une bonne moralité, tu es pas mal. Et tu te compares aux autres, tu dis, bon, par rapport aux autres, je suis pas mauvais. Mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. La première chose, c'est quoi? C'est être conscient de ton état, de ta misère, de ta pauvreté, de ta cécité, de ta nudité. Alléluia. Et reconnaître notre misère, nous devons reconnaître notre misère, reconnaître devant Dieu que nous sommes misérables.
C'est là que nous allons chercher un sauveur. Romains chapitre 7, verset 24. Romains 7, verset 24. Romains 7, verset 24. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Donc ici, on voit l'apôtre Paul, il a décrit son état, il était conscient de son état, de sa faiblesse, de sa misère, de sa pauvreté. Il va reconnaître devant Dieu, il va confesser devant les gens, devant le monde spirituel, physique, que lui, Paul, il est misérable. Et parce qu'il reconnaît qu'il est misérable maintenant, il cherche une solution, il cherche un sauveur, il cherche un libérateur, il cherche celui qui va le délivrer, il cherche celui qui va l'affranchir. Il dit, qui me délivrera du corps de cette mort? Qui? Y a-t-il un sauveur? Y a-t-il une personne capable de me libérer de ça? Y a-t-il une personne capable qui a assez de pouvoir pour me libérer de ce corps, de cette mort? Et si on remonte au verset, on descend au verset 25, vous allez voir, il va trouver la réponse. La réponse va lui être donnée. On va lui maintenant donner à Paul le nom de la personne qui peut le sauver de ça. On va lui dire, oui, il existe quelqu'un. Il existe un homme. Il existe un roi. Il est le roi. Il existe le Seigneur. Il est incomparable. Il est celui-là qui est le bon berger. Il est le puissant rédempteur, le souverain sacrificateur, l'avocat suprême, le défenseur des enfants de Dieu, l'avocat excellent et parfait. Il est le bouclier et la forteresse, l'abri. Il est l'étendard, le libérateur de ton âme. Et la réponse va lui être accordée en disant, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Donc le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui seul qui a la capacité, le pouvoir de te délivrer de ce mal, te délivrer de ce lien, te délivrer de cette chaîne. Alléluia. Et quand il va crier ainsi, le voile va être ôté, la révélation va lui être accordée parce qu'il était conscient de son état, il a reconnu son état, il a confessé son état et il va trouver maintenant la solution. Or, aujourd'hui, nous sommes comme ce pharisien qui est allé au temple pour prier, au synagogue pour prier. Dans le même temple, il y avait un publicain. Et cet homme, le pharisien, il va lever les yeux, frapper sa poitrine. Je te rends grâce, car je suis saint. Je te rends grâce, car je prie deux fois, trois fois. Je donne ma dîme, mes offrandes. Je ne suis pas comme ces publicains. En fait, c'est ce qu'on fait aujourd'hui quand on vient à l'église. Personne ne crie à Dieu, Seigneur, je suis misérable, Seigneur, pardonne-moi, ou qu'on plaise sur nos péchés. Non, il n'y a plus ça. On est tous beaux, on est tous élégants, élégantes. On fait attention à là où on met nos pieds, on fait attention à nos chaussures, à nos sacs. Quand on pose nos sacs, on ne veut pas que nos sacs voilà, soient posés par terre. On fait attention à toutes ces choses, à toutes ces choses. On n'est pas conscient de notre état, de notre misère, de notre pauvreté. Alléluia. L'apôtre Paul va recevoir la réponse. Et on va continuer. Philippiens 2, verset 13. Philippiens 2, verset 13.
Car c'est Dieu. J'aime ça. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. En d'autres termes, c'est Dieu qui produit en vous la volonté. Et cette volonté est accompagnée d'un pouvoir pour faire selon son bon plaisir. Avant l'apôtre Paul, c'est lui qui voulait. C'est lui, Paul, qui voulait faire. Mais aussi longtemps qu'il voulait, lui, Paul, faire, Dieu se retire, il croise les bras et dit, bon, petit, on va te regarder. Fais, on va voir. Donc Paul essaye, il essaye, il essaye. Il voit qu'il n'arrive pas. Alors il fait un pas en arrière. Il dit, Seigneur, je capitule. Je reconnais que je suis misérable. Et là, j'ai besoin d'un sauveur. Et là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Que maintenant, c'est Dieu lui-même maintenant qui va produire en lui le vouloir, la volonté. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, quand nous prions, nous devons dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, Dieu a une volonté. Mais aussi longtemps que nous, on veut faire notre volonté, on veut faire le bien selon nous, alors Dieu nous laisse faire. Mais quand le jour où tu vas reconnaître ta misère, ta pauvreté, alors là maintenant, c'est Dieu lui-même maintenant qui va produire en toi le vouloir. Et ce vouloir qui est produit par Dieu en toi est accompagné en même temps du pouvoir, d'un pouvoir, d'une capacité, d'une puissance d'action. Et cette puissance d'action va maintenant accomplir le bien. Et ce bien qui sera accompli et manifesté sera un plaisir pour Dieu. Pas pour toi, pas pour moi, mais c'est pour son bon plaisir. Parce qu'il t'a créé, il m'a créé, il nous a créé selon pour son bon plaisir. Il nous a créés en Christ pour accomplir les bonnes choses, les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Alléluia. Paul voulait faire le bien. Les Juifs voulaient faire le bien. Tu veux faire le bien. Mais c'est le bien selon toi que tu veux faire. Tu veux faire le bien selon ta capacité, selon toi-même. Tu dois laisser Dieu accomplir en toi, produire en toi le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Hébreux chapitre 13, verset 20 à 21. Hébreux 13, plombros kaman, Seigneur, aide-nous. Hébreux 13, 20 à 21. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, le grand pasteur des brebis, le grand pasteur de Jésus, des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ, il est le grand pasteur des brebis, le souverain, le bon, le parfait. Verset 21. Que ce Dieu-là vous rendre capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Ça veut dire que c'est Dieu qui peut nous rendre capables. Frères et sœurs, dans le temps où nous vivons aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin que Dieu lui-même vienne et nous rendre capables. Parce que si ce n'est pas le cas que Jésus vient maintenant, beaucoup de nous n'irons pas, nous ne monterons pas, nous resterons sur la terre. C'est ce Dieu-là qui a ramené Jésus-Christ, qui a resté Jésus-Christ, c'est lui qui peut nous rendre capables. Seigneur, rends-nous capables. Dis avec moi, Seigneur,
rends-moi capable. Dis encore avec moi, Seigneur, rends-moi capable de toute bonne œuvre. Alléluia. De toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc la bonne œuvre que je vais faire, qui va me rendre capable de faire, cette bonne œuvre, c'est pour l'accomplissement de sa volonté. Pas de ma volonté. Pas de la volonté de quelqu'un. Pas de la volonté de ta maman. Non. Mais de sa volonté. Écoutez la suite. Efface en vous, c'est lui qui le fait. Efface en vous ce qui lui est agréable. Donc, je vais faire en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Et amen. Alléluia. Que Dieu nous rende capable. Que Dieu nous rende capable. Que Dieu vienne et rende son Église maintenant capable, Seigneur. Seigneur, nous avons essayé. Seigneur, beaucoup de nous avons des liens, nous avons des chaînes. Des fois, c'est la timidité, la lourdeur, la paresse, la fainéantise. Seigneur, rends ton Église capable maintenant de faire le bien. Rends mon frère, ma soeur capable de faire le bien, Seigneur de gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 17. Nous sommes à la fin. Je m'affiche qu'il ne me reste que très peu de temps. 2 Thessaloniciens 2, verset 17, il est dit ceci. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 17. Console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre, en toute bonne parole. Ok. Dans la version que j'ai notée, c'est ceci. Il est dit ceci. Qu'il vous remplisse de courage et vous accorde la force de pratiquer toujours le bien en acte et en parole. Je crois que c'est la version Semeur. Dans la version Semeur, il est dit. Qu'il vous remplisse de courage et vous accorde la force de pratiquer toujours le bien en acte et en parole. Voilà, c'est ça. Donc, c'est Dieu qui va nous remplir de courage, parce qu'il te faut du courage, il me faut du courage, il nous faut du courage et la force. Et la force. Le courage n'est pas suffisant, il faut la force aussi. Qui nous permettra maintenant de pratiquer toujours, pas de temps en temps. Parce que nous, aujourd'hui, on fait le bien, mais de temps en temps. De temps en temps, on fait un peu de bien pour soulager notre conscience. Mais selon Dieu, c'est que le bien, si nous devons pratiquer le bien, c'est, on dit toujours. C'est-à-dire, en tout temps, en tout lieu, on doit faire le bien en acte et en parole. Donc, pose-toi la question là où tu es, là où je suis. Est-ce que tu fais ce qu'elle dit, est-ce que tu le fais? Est-ce que moi, je le fais? Moi, je reconnais que je ne suis pas, j'ai besoin de Dieu dans ça là. J'ai besoin de Dieu dans ça pour que je fasse toujours, que je pratique toujours le bien en acte et en parole. C'est-à-dire quand tu parles, il faut que ta parole fasse du bien. Est-ce que ta parole fait du bien à ceux qui t'écoutent? Est-ce que ta parole blesse ceux qui t'écoutent? Est-ce que ta parole attriste ceux que tu écoutes, ceux qui t'écoutent? Ou tu critiques, tu insultes les gens? Frères et sœurs, Dieu nous demande de faire le bien, toujours le bien, en acte et en parole. Pas seulement en parole, frère, je t'aime, ma sœur, je t'aime, oui, ça c'est parole. Mais il faut aussi l'acte qui démontre que tu aimes réellement. Il a dit que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné. Donc Dieu a aimé le monde, pas seulement en parole, mais il a donné, l'acte va venir. Donc nous devons aimer en acte et en parole. Et pour terminer, c'est une prière que nous allons faire à Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. C'est une prière que nous faisons à Dieu.
1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint et qu'il vous garde parfaitement esprit, âme et corps pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ ou bien lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier et que tout notre être, l'esprit, hein, l'âme, deux, et le corps soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Nous avons besoin que le Seigneur lui-même, lui-même vienne, prenne possession de son Église que nous sommes et qu'il nous sanctifie lui-même, esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Donc, je redis le thème, c'est Ésaïe 26, verset 12. Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Et le verset 13. Éternel, notre Dieu, notre Maître, que toi as dominé sur nous, mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. C'est notre prière ce soir. Nous demandons à Dieu, maintenant, puisque c'est lui qui nous a choisis, qui nous a appelés, nous ne nous sommes pas appelés nous-mêmes, mais que ce Dieu-là, Dieu de grâce, vienne maintenant et qu'il accomplisse pour nous tout ce que nous faisons, qu'il produise en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, qu'il accomplisse en nous tout ce qu'il désire et que, les choses qui ont dominé sur nous hier soient maintenant dissous, soient maintenant renversées au nom de Jésus. Car il y a une différence entre la religion et le royaume. La religion, c'est l'homme qui utilise des moyens par ses efforts et pensant atteindre Dieu. Mais le royaume de Dieu, c'est Dieu qui vient au milieu de nous, Dieu qui descend, qui vient lui-même pour accomplir en nous son œuvre. C'est la différence entre la religion et le royaume de Dieu. Alors que le Seigneur soit béni. Père, nous te bénissons, te rendons grâce maintenant pour ta fidélité. Seigneur, nous croyons que cette belle œuvre que tu as commencée en nous, Seigneur, tu es fidèle pour la rendre parfaite, pour aller jusqu'au bout, car tu ne fais jamais rien à moitié. Et quand tu commences, tu achèves toujours. C'est pourquoi ce soir, ô Père, nous prions maintenant pour ton Église dans le monde entier. Nous prions, Seigneur, pour tes enfants dans le monde entier. Nous prions pour la chapelle de la foi, pour tes serviteurs, pour tes servantes, Père. Nous prions pour l'apôtre Pierre Yves Chobo, Père. Nous prions pour chacun de nous, pour chacun de nos frères et de nos sœurs, afin que, ô Père de gloire, Seigneur, tu puisses nous accorder la grâce maintenant d'être positionné réellement en Christ. Accomplis en nous ce qui t'est agréable. Accorde-nous la force, la capacité, le courage d'accomplir toujours le bien en acte et en parole pour ton bon plaisir. En ton nom, Jésus-Christ, nous avons ces prières. Au nom de Jésus-Christ, amen. 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 Frères et sœurs, c'est pour moi ce soir une grâce de Dieu. C'est la grâce, réellement la grâce, parce que sans lui, je n'aurais pas partagé ce que j'ai partagé ce soir. Et je sais que voilà, la parole de ce soir t'a fait du bien. Moi, personnellement, ça m'a fait du bien. Ça m'a vraiment fait du bien. Et j'espère que voilà, c'est pareil pour toi aussi. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fasse du bien. Alors, nous sommes arrivés à la fin. La chapelle de la foi a besoin de toi, a besoin de moi, a besoin de nous tous. Alors, si tu veux participer à l'avancement de l'œuvre de Dieu, voilà, nous avons des besoins, la toiture, l'évangélisation. Alors, sens-toi libre de s'aimer sans contrainte, sans tristesse. Donne avec joie et avec générosité. Que le Seigneur te bénisse. C'était votre frère, le pasteur Gérard Koyaoto.